Je reprends donc l'exercice numéro 3 pour répondre à PTC en utilisant l'inverse de la matrice de deux systèmes. Autrement, je dois trouver l'inverse de la matrice du système. Je vous rappelle que j'ai le système suivant. En fait, j'avais l'écriture matricielle qu'on vient de trouver dans la partie numéro 1. Et en fait, j'ai le système ici. J'ai noté A, cette matrice. Je dois chercher son inverse. Après, donc, j'essaie de travailler. En fait, qu'est-ce que je trouvais juste, je vous rappelle, qu'est-ce qu'on a en fait. Je vous rappelle qu'on a déjà noté notre système S comme suite. Voilà, donc ici, je vais travailler l'exercice 3, série 3, la partie 3 de vidéo. Autrement, je vais travailler PTC. On me demande de terminer l'inverse ou bien la solution du système en se basant sur l'inverse. Qu'est-ce qu'on a trouvé? En fait, notre système SLD, il est défini par A fois X est égal à B. Et si je cherche le X, et si j'avais le A moins 1, X est égal à A moins 1 fois B. En fait, il faut déterminer A moins 1. Et juste après, je remplace pour avoir ça. Étant donné que j'ai déjà le A est égal à 2 moins 1, 1, 1 moins 2, 1 moins 1 et moins 2, 1, 0, c'est juste ici, c'est la matrice A, et je note le B, en fait, il est égal à quoi? Il est égal à 5, moins 1, 4, et le X, c'est le vecteur des inconnus, X, Y, Z. Et en fait, on a déjà déterminé le déterminant de A qui a été trouvé égal à 0, différent de 0. Autrement, le A moins 1 existe. Donc, il suffit de calculer A moins 1 pour résoudre ce système. Le A moins 1 est égal à 1 sur le déterminant de A fois M transpose, tel que M, c'est la matrice de Coffa, matrice de cofacteur, et la transposée. C'est en fait le T, c'est le transposé. Transposé de la matrice de cofacteurs. Donc le déterminant, j'ai déjà trouvé. Il faut trouver M. Ensuite, il faut la transposer. Donc je vais essayer de calculer M rapidement. Je vais essayer de faire comme ça. Donc à chaque fois, chaque position, je mettais un signe plus, moins, plus, moins, plus, moins, plus, moins, et plus, et je garde le mineur correspondant à chaque position. Voilà, donc je vais mettre des déterminants d'ordre 2. Ensuite, je vais essayer de noter le restant du mineur. Donc ici, je me positionne à la ligne 1, colonne 1. Donc je supprime la ligne 1, colonne 1, et je garde le mineur restant. Il me donne quoi? Moins 1, moins 2, 0, 1. Je ferai de même ensuite. 1, moins 2, 1, 1. Ensuite, 1 moins 1, 1, 0. Voilà. Moins 1, 1, 0, 1. Moins 1, 1, 0, 1. Ici. Donc 2, 1, 1, 1. 2, 1, 1, 1. Voilà. 2 moins 1, 1, 0. 2 moins 1, 1, 0. Voilà. Donc moins 1, 1, moins 1, moins 2. Moins 1, 1, moins 1. Moins 2 ici, donc 2, 1, 1 moins 2, 2, 1, 1 moins 2, et en fait, je continue comme ça. La dernière, donc 2 moins 1, 1 moins 1, 2 moins 1, 1 moins 1. À chaque fois, donc c'est je garde le mineur restant et j'essaie de calculer. Donc, je vais trouver le M comme suite. Je vais essayer de calculer ça. Moins 1 fois moins 1, ça donne moins 1. Moins 0, j'ai un signe plus, donc ici, je vais garder le moins 1. Ici, 1, moins moins 2, c'est plus 2, où j'ai déjà un signe moins, donc j'ai moins 3.
Ici, on fait 0 moins moins 1. Donc, je donne 1 avec un signe plus, je garde le 1. Moins 1 moins 0, j'ai un signe moins, donc je garde, ça devient 1. Ici, 2 moins 1, ça donne 1. Ici, 2 moins moins 1, donc ça donne 1. J'ai déjà un signe moins, donc j'aurai moins moins 1. Je continue de la même façon. Moins 2 fois, moins 1 fois moins 2, c'est 2. Et moins moins 1, ici, ça donne 1, tu vois. Voilà, donc ici, moins 4, moins 1. Moins 4, moins 1, c'est moins 5. Et j'ai un signe moins, j'aurai 5. Ici, moins 2 plus 1. Moins 2 plus 1, ça donne moins 1. Et voilà, c'est la matrice de cofacteurs. Si je transpose M transpose, il suffit que je prends chaque fois chaque ligne et je l'écrivais sous forme de colonne. Donc, qu'est-ce que j'aurai? Moins 1, moins 3, 1. 1, 1, 1, 3, 5, moins 1. Et je connais que le déterminant de A est égal à 2. Donc, le A moins 1, comme déjà écrit ici, déterminant, sur le déterminant de 1 fois M transpose, il suffit de faire 1 sur le déterminant. En fait, 1 sur 2 fois quoi? Fois moins 1, 1, 3, moins 3, 1, 5, 1, 1, moins, moins 1. Et du fait, en fait, pour trouver la solution, il suffit de faire quoi, en fait? Il suffit de faire x est égal à a moins 1 fois le b qu'on a déjà noté. Donc, est égal à quoi? Est égal à 1 demi. Je vais prendre cette matrice-là. Moins 1, 1, 3. Moins 3, 1, 5. 1, 1 moins 1. Je la multiplie fois b. Autrement, 5 moins 1, 4. Et j'essaie de voir le résultat. Ici, moins 5. Ici, je vais trouver, en fait, moins 5. Moins 1, c'est moins 6. Moins 6 plus 12, ça donne 6. Et voilà, donc 6 sur 2, ça donne 3. Ensuite, moins 3 fois, donc c'est moins 15. Moins 3 fois, donc ça donne moins 15. Et ensuite, ça donne moins 1, c'est moins 16. Et ici, ça donne 20, donc ça donne 4. Et 5 fois 1, c'est 5. 5 moins 1, c'est 4. 4, en fait, voilà, donc qu'est-ce que je vais voir. Ici, 5. 5 moins 1, ça donne 5 moins 1. Donc ici, la valeur, c'est moins 1. Donc ici, c'est 5. Et moins 1, moins 4. Donc juste, j'essaie de moins 1. J'essaie juste de faire la vérification. Ici, 3, ici, 4. Et ici, j'essaie de vérifier les mineurs, en fait. Ici, le mineur est égal à combien? J'essaie de voir le mineur. Moins 1, c'est 2. 2 plus 1, ça donne 3, c'est correct. Donc ici, c'est quoi le... juste le temps que je vérifie le mineur. Voilà, donc je reprends l'application. Donc juste, j'avais un signe moins ici, puisque 1, 1, moins 1, donc 1, 1, moins 1, j'ai transposé. Donc voilà, j'ajoute le signe moins. Et juste la dernière valeur, 5, 1 fois 5, ça donne 5. Moins 1 fois moins 1, ça donne 1. 1 plus 5, ça donne 6. Et moins 1 fois 4, c'est moins 4. 6 moins 4, ça donne 2. Et je divise le tout par 1 demi. Donc, autrement, je vais trouver la solution. Est égal à 6 sur 2. Est égal à 6 sur 2, ça donne 3. Et 4 sur 2, ça donne 2. Et 2 sur 2, ça donne 1. Voilà. Et comme ça, je trouve la même solution qu'on vient déjà d'utiliser. Voilà.
Donc c'est la même solution. Je vérifie que en utilisant la méthode de Cramer, on a trouvé la même solution, et de même en utilisant la méthode de pivot de Gauss. Voilà. Donc comme ça, on utilise la matrice inverse pour répondre pour résoudre le système S de l'exercice numéro 3.